Good morgen, allez, dernier sur aujourd'hui le lundi matin, Avraham Chayin, Norbert Ben Fortuné, Mazal Yedida, Bet Esther, Yaakov, Nissim, Ben Chana, Machlouf, Ben Micha, Ben Masouda. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Micha, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Ketout, avec Dalet, Mishnah Bet, une longue Mishnah devant nous. On commence à attaquer la première partie. Keshem Sheimachal Chelev, Vechelev, Behe, Elem Echad, Enochaya, Vela, Chatat Echat, Kach, Al Lohoda, Shela, En, Enumevi, Ela, Hasham Echad. אם הייתה ידיעה בינתיים, כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. כשם שאם אכל חלב ודם ונותר או פיגול, בהלם אחד חייב על כל אחת ואחת, כך הלהודה שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. חלב ונותר לפניו, אכל אחד מהם ואין ידוע, לא, סמון לספור, אחרי זה לדוזם פרטי. תו דבור, ובא... On continue à parler du korban Hasham Talouy. Pour rappel, lorsqu'on transgresse une faute sur laquelle on est passible d'apporter un korban Khatat, par exemple, les 36 fautes qu'on a avec lesquelles on a ouvert la Maseret Kritout, en fait, il y a toutes sortes d'incestes, il y a la consommation de chélev, le fait de faire égorger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash, transgresser Shabbat, 39 transgressions que dans Shabbat par rapport aux 39 travaux, pour chaque travail type, chaque malacha, un korban. Donc pour tous ces chataot, lorsqu'on a transgressé certainement la chose sans par inadvertance, lorsqu'on va prendre conscience de l'erreur qu'on a fait, alors il faudra apporter un korban chatat. D'accord? Le korban Hasham Talouy, alors c'est un korban particulier que la Torah a laissé la possibilité. Lorsque tu as un doute, est-ce que tu as transgressé ou non, alors tu dois apporter un korban Hasham Talouy en attendant, le temps que finalement tu vas prendre conscience de l'erreur que tu as fait. Par exemple, le cas qu'on évoquait dans la Mishnah précédente, il y avait deux morceaux de graisse, un qui était du Shuman, l'autre qui était du Chelev. Une graisse permise, une graisse interdite. Et puis il a fait un sandwich avec une, après il a jeté l'autre, il ne sait plus qu'est-ce qu'il a mangé. Eh bien, il devra porter un korban Hasham Talouy, en attendant, jusqu'à qu'à la fin, si toutefois dans sa vie, même après 20 ans, 30 ans, il va réaliser qu'en fait, il avait effectivement mangé du Chelev, eh bien, il devra porter un korban Khatat à présent pour se réexpier, d'accord? La Mishnah m'enseigne, en rapport avec les Chilukei Chataot, vous vous rappelez qu'on avait appris que lorsque, par exemple, on a parlé du cas de la graisse interdite, alors imaginez que j'avais de la graisse interdite au frigo, et toute la semaine je me suis fait mes sandwichs de midi avec cette graisse interdite, dans la même erreur parce que je me suis trompé, eh bien au bout de, lorsque je vais réaliser mon erreur, j'apporterai un seul korban sur toutes les fois où j'ai consommé. Alors que, si, entre deux sandwichs, j'ai réalisé mon erreur, je dis, oh là là, mais je suis fou, j'ai pris du relève. Et le lendemain, de nouveau, je refais un sandwich sans réfléchir. Et le soir, je réalise que j'ai fait une erreur. Donc, il s'avère qu'il y a eu ce qu'on appelle une yedia ben taïm. Il y a eu au milieu, entre deux, une prise de conscience. Eh bien, il faudra apporter un korban khatat pour chaque fois qu'il a oublié de nouveau. Ça, c'était la halakhot pour le korban khatat. La Mishnah va m'enseigner que le principe sera le même pour le korban hasham. Si tu as un doute, est-ce que tu as mangé du chélev, t'avais deux morceaux de viande chez toi à la maison, et t'as pris un des deux, tu l'as mis au frigo, en supposant que c'était le Schumann, toute la semaine tu t'es fait tes sandwichs, après tu réalises que t'avais un problème, t'avais un doute, eh bien tu apporteras un seul korban pour toute la semaine. Mais si tu l'as mis, pour toutes les consommations de la semaine, mais si par contre tu as pris l'assiette, tu l'as mise au frigo, t'as mis une des deux, tu n'as pas fait attention, c'est laquelle. L'autre, tu l'as jeté à la poubelle parce que tu pensais que c'est du chélev. Et puis une fois que tu t'es fait ton sandwich, tu l'as mangé à midi. Le soir, tu dis, mais je suis fou. Peut-être qu'en fait, c'était du Schumann. C'était le chélev et c'était pas du Schumann. Et tu dis, oh là là, demain, je ne recommence plus la même erreur. Le lendemain matin, il est de nouveau pris dans le move et il recommence à faire la même erreur. Donc il a eu une prise de conscience entre deux korban hasham. Prise de conscience, même pas totale, mais prise de conscience qu'il a un doute. Eh bien, ça va sectionner chaque consommation pour lui imposer d'apporter un korban hasham. C'est ce que la Mishnah me dit directement, je traduis. Keshem sheimachal chelev vechelev behe elem echad. Au même titre que s'il a mangé une graisse interdite, et une autre fois une autre graisse interdite, behe elem echad, dans le même oubli, et no chayav el achatat, il nous devra apporter un kesan korban chatat sur toutes les fois où il a transgressé de nouveau. Eh bien, kachal lo hoda shelahen et no mevi ela hasham echad. Idem, lorsqu'il ne sait pas est-ce qu'il a transgressé, c'est-à-dire qu'il va être passible du korban hasham talouy,
Eh bien, Enomevi Ela Hacham Echad, il ne devra porter qu'un seul korban Hacham Taloui sur toutes les fois où il a mangé. Par contre, Imaita Yedia Bentaim, s'il y a eu prise de conscience au milieu, alors chaque prise de conscience en rapport avec son korban. Pour le korban Khatat, il faut une vraie prise de conscience de la transgression. Pas de réaliser qu'il a peut-être mangé, mais d'être certain qu'il a mangé. Et au même titre, il faudra pour le korban Hacham une prise de conscience, même dans le doute. Alors, Imaita Yedia Bentaim, s'il y a eu une prise de conscience au milieu, au même titre qu'il doit apporter un korban khatat à chaque fois de nouveau, parce que chaque fois qu'il a réalisé l'erreur, puis après qu'il a oublié de nouveau, eh bien ça sectionne et ça impose d'apporter un korban khatat à un moment. Car au Hacham Talouy, al kol achat v'achat, au même titre, il devra apporter un korban Hacham Talouy sur chacune et chacune, chaque fois qu'il aura mangé, avec après une prise de conscience, même dans le doute, et puis après de nouveau un oubli. Ensuite, à part ça maintenant, Keshem Shimachal, au même titre que maintenant, dans les transgressions de trois sortes d'avérotes, par exemple, sur lesquelles il est possible de Khatat, de Karet et de Khatat, qui sont par exemple Khelev et Dam et Notar. Khelev, c'est les graisses interdites. Dam, c'est d'avoir bu du sang d'un animal. Notar, c'est un reste de Pigoul, un reste de Korban qui est resté jusqu'au lendemain. Pigoul, c'est un korban qui a été égorgé avec intention de dépasser les limites de temps. Donc, c'est un issur spécial, c'est l'issur Pigoul. Donc, au même titre que s'il mange quatre sortes d'interdits comme ça, ouais, il s'est fait un grand shawarma, enfin, pas de shawarma avec plutôt de la viande de bœuf, par exemple. Il y avait du khelev, il y avait du notar, dam, notar, pigoul, et puis après, il a mangé tout ça, il a réalisé son erreur. Et s'il a mangé tout ça, behel amecha, dans un seul oubli, khaval kol achat v'achat. Vous êtes tous d'accord qu'il devra apporter un korban khatat à chaque type d'avéra spécial, parce qu'il y a quatre transgressions. Eh bien, car al lohoda shel ha'en, au même titre, s'il n'a un doute, est-ce qu'il a transgressé sur chacun, est-ce que c'était le khelev avec du chouma ou non, est-ce que c'était du sang ou c'était un sang permis, il y a des différentes sortes, on va penser dans le prochain parek, on apprendra que pas tous les sangs sont au même titre interdits. Eh bien, donc, au même titre aussi, donc s'il a un doute, car al lohoda shel ha'en, s'il a un doute, est-ce qu'il a mangé ou pas, mais sur quatre interdits par exemple, mais vit Hacham Taloui al kol achat v'achat, il devra apporter un korban Hacham Taloui sur chaque éventuelle transgression qu'il a fait, chaque espèce, type de transgression éventuelle qu'il aurait pu avoir. Ok? Deuxième sujet maintenant. Chelev venotar lefanav. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Ishtonida va choto imo babait. Troisième, shagag ba achatmen, venyadua beizomen shagag. Ou troisième cas de figure. Shabbat ve yom akipurim, asa melacha ben ashmashot. Venyadua beizomen asa. Trois cas de figure que une personne qui a certainement transgressé quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Il y avait deux assiettes. Une où il y avait dedans du chélev. Et l'autre est où il y avait dedans du notar, un reste de korban qui a dépassé. Et maintenant, il se souvient, donc, sur le coup, il pensait que le 2 était permis, il ne s'est pas posé de question, il a mangé. Et après, le soir, il réalise son erreur, il se dit, mais je suis fou, j'ai mangé un interdit, c'était très grave. Mais il ne sait pas ce qu'il a transgressé, l'interdit de chélev ou l'interdit de notar, que chacun est passible d'un korban khatat indépendant. Mais malgré tout, il ne sait pas quel type. Il y a sur scène une marloquette, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Deuxième cas de figure encore. Il y avait sa femme qui était Nida dans une chambre et sa sœur qui était dans une autre chambre. Et la nuit, il est rentré, il est parti dormir avec une, il ne sait pas avec qui, il a fait ce qu'il a fait. C'est sûr qu'il est passé d'un korban khatat, parce que de deux choses l'une. Soit il est parti avec sa sœur, soit avec sa femme Nida. Mais il ne sait pas laquelle. Troisième cas de figure. De Shabbat, on est rentré directement dans Yom Kippour. Ça n'existe plus dans notre configuration. Mais à l'époque, ça pouvait encore exister qu'un Yom Kippour tombe à Motsé Shabbat. Donc, il s'avère qu'à Shabbat, on n'a pas le droit de transgresser, de faire un travail type. À Yom Kippour, on n'a pas le droit de faire un travail type. Excusez-moi. Deux choses l'une. Alors maintenant, chacun il est passible d'un korban karet. Ce qui se passe, c'est qu'il ne sait pas est-ce qu'il a transgressé à Shabbat ou est-ce qu'il a transgressé à Yom Kippour. Le soir, à minuit, il réalise que c'est Yom Kippour et qu'il a fumé il y a quelques heures. Est-ce que ça fait 3 heures et donc c'était dans Kippour? Est-ce que ça fait 5 heures, c'était en plein dans Shabbat, il ne sait plus. Alors, dans ce cas-là, la Mishnah m'enseigne, donc Shabbat ve Yom Kippourim, il y avait Shabbat et Yom Kippour,
Elle a fait un travail benachmashot au moment du coucher du soleil, un peu avant et un peu après, et il ne sait pas quand est-ce qu'elle a transgressé. Venyadoua Beizemena, ça il ne sait pas à quel type d'interdit elle a transgressé. Eh bien, Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Rabbi Eliezer dira qu'il devrait quand même porter un korban khatat, parce que de deux choses, l'une, tu dois porter un korban khatat, il n'y a aucune contre-indication. Rabbi Yoshua Poter, Rabbi Yoshua dispense d'un korban khatat, c'est déduit d'un pasuk qui a marqué Asher Khatabah, qu'il a fauté en elle. Il faut savoir de quoi tu as fauté, sinon tu ne peux pas porter un korban khatat. D'accord? Il faut savoir sur quoi tu as fauté. Tandis que Rabbi Eliezer déduit autre chose d'un pasuk, c'est le partenaire qui en parle. Il déduit de là l'interdit de mita sec. On ne va pas rallonger sur le sujet, ça va être un sujet trop lourd. Il déduit, en tout cas, en deux mots quand même, à Shabbat, il faut avoir une intention spécifique sur l'interdit que tu vas faire, et pas que, par exemple, le cas de la Gemara, c'est qu'il y avait un bâton que tu voulais ramasser par terre, tu es parti de ramasser, et puis en fait, tu n'as pas fait attention que le bâton que tu voulais ramasser, il était là-bas. Là, tu es en train de ramasser en ce moment une branche d'arbre qui est plantée, et puis tu l'as déracinée. Ça s'appelle mita sec, d'accord? Sur ça, il y a un tour spécial sur Shabbat parce qu'il n'a pas d'intention de transgresser. Il y a, bien sûr, comme toute sugya de la Gemara, que ça se développe énormément, mais on s'arrête là. Et on avance pour la suite. Donc on a maintenant une marloquette Rabbi aussi, et Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À savoir, c'est sûr que j'ai transgressé, mais je ne sais pas si j'ai fait Chelev ou Notar. Est-ce que j'ai fait Ishto ou Nida? Et Ishto Nida ou Achoto? Est-ce qu'il a fait Shabbat ou Yom Kippour? Il y a un doute. Alors sur ça, Rabbi Eliezer, il rend Chayav et Rabbi Yoshua dispense d'apporter un korban khatat. Deux points importants, ça va être Rabbi Yossi au début, et puis après Rabbi Yehuda à la fin. Amar Rabbi Yossi dit, « Lo nechleko alo semelacha ben hashmashot shopatur » Attention, il ne s'agit pas de transgresser une faute à ben hashmashot. Donc il y a une discussion sur ce qu'il avait marqué dans la Mishnah au début. Il ne s'agit pas d'avoir fait une transgression à ben hashmashot, c'est avec le soleil quand il se couche. Le soleil se couche à un moment, quand c'est l'heure du coucher en l'occurrence, et la nuit ne tombe pas tout de suite. D'abord il commence à faire jour et doucement ça devient de plus en plus noir, jusqu'à qu'à un moment il va avoir la nuit, il y a plusieurs niveaux, ça va être entre 18 minutes et 1h12, c'est Rashi et Rabbeinu Tam, avec quelques petites variantes au milieu. En tout cas, pour notre propos, il y a... Donc, il s'avère que maintenant... Il y a un grand sujet ilkhatique. Comment est définie la période de Ben Hashmashot? Littéralement, entre les deux soleils, entre les deux, je ne sais pas exactement, mais comment dire, entre les deux jours, entre les deux bornes. Le soleil commence à se coucher, puis après, le jour, il se couche aussi. Complètement. Dans cette période-là, alors, il y a un grand sujet qui apparaît sous plusieurs aspects. Comment définir cette période? Elle appartient au jour précédent ou au jour d'après? C'est-à-dire, le soleil s'est couché, la nuit noire n'est pas encore tombée. Cinq minutes après, quelqu'un fume une cigarette à Shabbat. Et est-ce qu'il a transgressé Shabbat ou non? C'est un sujet général. Qu'est-ce qu'on fait à Ben Hashmashot? Il y a deux avis. Il y a maintenant, la Mishnah m'enseigne, en me disant que Ben Hashmashot, donc pendant toute cette période-là, il y a un instant précis où c'est le Ma'avar. On passe du jour à la nuit. Un instant précis qu'on ne sait pas discerner. Rabbi Yossi vient et te dit, tu sais, la marloquette qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'il est chayav sur Yom Kippour ou sur Shabbat? Elle ne concerne que le cas où c'est sûr qu'il n'a pas fait de travail pendant Ben Hashmashot. C'était soit avant, pendant Shabbat, soit après, quand Shabbat était sorti. Mais lorsqu'il y a, il a fait un travail pendant Ben Hashmashot, que cette fois-ci il y a lieu de douter que peut-être qu'il a commencé le travail à Shabbat, mais qu'il n'a pas eu le temps de finir jusqu'à qu'il est rentré dans Yom Kippour et qu'il a fini à Yom Kippour. On va prendre un cas concret. Par exemple, tisser quelque chose. L'agma l'évoque, en l'occurrence. Tisser quelque chose après Chachamim, sans trop rallonger. Lorsqu'on tisse à Shabbat, eh ben, il faut tisser deux fils, pas un. Un biosévien te dit, tu sais, si tu as tissé deux fils à Ben Hashmashot, entre le Shabbat qui va passer à Yom Kippour, alors tu ne pourras pas porter un korban de sang, tous les avis, même d'après Rabbi Eliezer qui rend Chayav Nachatat, Rabbi Eliezer en Chayav Nachatat que quand tu es certainement Chayav Nachatat. Mais puisque tu devais tisser deux fils, tu as tissé un premier fil pendant Shabbat. Tu as peut-être tissé un premier fil pendant Shabbat, un deuxième fil pendant Yom Kippour. Dans ce cas-là, eh bien, ni tu as transgressé Shabbat, ni tu as transgressé Yom Kippour. Dans un cas pareil, Rabbi Eliezer ne te dira pas d'apporter un korban khatat. On fait ça dans les mots. Amar Rabbi Yossi a dit, « Lo nechleku alo osem alacha ben hashmashot » Ils n'ont pas discuté, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua,
sur une personne qui veut faire un travail pendant Ben Hashmashot, entre les deux soleils, entre le moment où le jour se couche et la nuit n'est pas encore arrivée. Que dans ces cas, Ben Hashmashot, ouais, que chez Upatour, que dans un cas pareil, c'est sûr qu'il sera dispensé même d'après Rav Eliezer. Pourquoi? Shani Omer, quand je dis, je vais dire, Miksat Melacha Asa Mehayom, un peu du travail il a fait aujourd'hui pendant Shabbat. Miksat Melacha, et un petit peu le lendemain, donc dans ce cas-là, le lendemain quand c'est rentré Yom Kippour, il s'avère qu'il a transgressé, puis il n'a peut-être pas transgressé ni Shabbat ni Yom Kippour. Dans un cas pareil, Rav Eliezer ne dira pas d'apporter un korban khatat. Mais Alma Nechlukou, sur quoi ils ont, oui, discuté. Alors c'est Betochayom Venaladoem Shabbat Asa, Veim Beyom Akipurim Asa. Sur une personne qui va transgresser en plein milieu du jour, mais il ne sait pas est-ce qu'il a transgressé à Shabbat ou est-ce qu'il a transgressé à Yom Kippour. Il se rappelle que le lendemain soir et qu'aujourd'hui, il se rappelle, disons, à la sortie de Kippour, il se rappelle qu'il a planté un cadre, il a pris une vis, il a planté dans le mur, il a transgressé, interdit de bonnet. Et il ne se souvient plus est-ce que c'était hier quand c'était Shabbat ou est-ce que c'était dans cette journée qui vient de se finir, qui était Yom Kippour. Il a un doute sur ça. Dans ce cas-là, sur ça, Rabbi Eliezer va te dire qu'il devra prendre un korban khatat. Mais pas lorsqu'il va commencer une malacha avant Ben Hashmashot et la finir après Ben Hashmashot, parce qu'il est possible que dans ce cas-là, il n'a pas du tout transgressé ni l'un ni l'autre. Mais le manichlekou, sur quoi ils ont oui discuté, alors c'est malacha, alors c'est betoch hayom, sur celui qui va faire une malacha, ben tsayom, au milieu de la journée. Ben yadouaim be Shabbat, ça, il ne sait pas, il ne parvient pas à savoir est-ce que c'était encore Shabbat ou bien. C'était plutôt Yom Kippur. Ou encore, ou encore, l'autre discussion que tu as trouvée sur Shabbat, c'est qu'il a fait une melacha sans savoir laquelle précisément. Il ne se souvient plus, est-ce qu'il a labouré le champ, est-ce qu'il a arrosé le champ. Là, c'est deux interdits différents. Un c'est Choresh, et l'autre c'est Zoréa, puisque ça favorise à tous. Donc, dans tous ces cas, alors sur ça, il y aura Rabbi Eliezer qui va te dire tu devras porter un korban khatat quand même, parce que tu as certainement transgressé une faute, même si tu ne sais pas ça laquelle. Et sur ça, Rabbi Yehoshua discute. Rabbi Eliezer, il va rendre chayav d'un korban khatat, et Rabbi Yehoshua peut-être, Rabbi Yehoshua va te dispenser. Amar Rabbi Yehuda, maintenant, autre sujet de Rabbi Yehuda qui va nous apporter sur la marquette de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda enseignait, pour trouver ailleurs Rabbi Yehoshua, Af Masham Talui. Il vient emporter une halakha sur Rabbi Yehoshua. On a dit que lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé l'un des deux interdits? Par exemple, il y avait du notar et il y avait du chelev. Un qui était un reste de korban et l'autre c'était une graisse interdite. J'ai mangé un des deux. Que Rabbi Eliezer dit, tu apportes un korban khatat, Rabbi Yehoshua dispense. Sur ça, il vient. Et Rabbi Eliezer va te dire tu devras apporter un korban khatat, ouais. Et Rabbi Yehoshua dispense d'apporter un korban khatat. Question. D'accord, j'apporte pas un khatat, mais est-ce que je pourrais au moins apporter un sham taloui? Parce que de deux choses l'une, j'ai transgressé quand même un des deux interdits. Soit d'avoir mangé du notar, soit d'avoir mangé du pigoul. Du khelev. Donc j'ai transgressé un des deux interdits. De toute façon, est-ce que je pourrais emmener un korban sham taloui? Sur ça, Rabbi Yehuda vient te dire non, ben, dans ce cas-là, d'après Rabbi Yehoshua, tu seras totalement dispensé d'un korban. Est-ce que le korban de Hashem Talou, il vient que lorsqu'il y a un doute, est-ce qu'il y avait transgression ou pas? Mais lorsqu'il y a certainement transgression, alors on n'est plus passible de korban Hashem Talou, maximum de khatat, et tu ne peux pas porter le khatat, et ben, patiente et prie Hashem qui t'aide. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Slachakol Tov, c'est là.